Salut les barbus, on est 4 jours, on est le mercredi 11 mai, j'ai passé la matinée au boulot. J'ai passé l'après-midi à la maison à faire quoi ? À faire un montage pour le boulot. Et demain, c'est jour off. Et justement, c'est la thématique du vlog d'aujourd'hui. Mon jour off. Et oui, tous les jeudis, c'est mon jour off. Quoi un jour off ? D'abord, j'avais pas eu trop le choix au début. J'étais avant dans une structure qui a été amalgamée par une autre structure. C'était trop cher. Donc la solution, c'était soit me virer, soit... que je perde en fait un jour et donc 20% de salaire. Au début j'ai vécu ça un peu comme une espèce de vilaine punition parce que j'avais pas été sage. Vilain. Et en fait le jour off c'est bien. Ça me permet de me consacrer à des trucs comme la grotte du barbu et à faire d'autres trucs, d'autres projets comme l'éventuelle suite de Ch'temeleu et d'autres projets. Bah tu peux le mettre en mode où tu... le fait avancer toi-même, tu peux le mettre en mode exploration, où il fait ce qu'il veut, enfin il se promène un peu partout où il veut, tu peux regarder Star Wars 7 avec lui, t'as les réglages, et t'as aussi où tu peux, enfin il peut aussi envoyer enfin, des images. Je vais prendre le premier map qui s'appelait navigation. Faut prendre le contrôle. Alors, les contrôles sont assez simples. Là, par exemple, là, tu peux le faire. Par exemple, là, il peut. Là, il dit oui. Là, tu dis non. Hop là. Attention, toi. Il y a. Oups là. Non, mais. Oups. Il y a plein de mais bon, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Oui, voilà, là il y a le mode patrouille, comme je disais. C'est le mode où il va tout seul, un peu comme une exploration. Là il regarde. Il va voir. Comme ça et là il commence. Là on peut voir le système de suivi par où il va. On l'a. Ouais. Reviens. Reviens pas. Non. Oh il est plein de poussière le pauvre. Regarde-moi ça. Ah donc on voit qu'il scanne les endroits en fait. C'est ça. Attention. Non, non. Ah, c'est bien sympa ça non? Ouais ça va. Oui, c'est ça. Ah. Sinon, on envoie le BB-8. Tu recommandes pour ceux qui aiment bien Star Wars? Oui, bah, pour ceux qui aiment bien Star Wars et particulièrement BB-8 et tout ce qui est technologique, je le conseille particulièrement. Ça me permet aussi de faire des trucs que j'ai jamais le temps de faire, comme des trucs administratifs qui s'empilent là. Voilà. Toutes les lettres qu'il faut que je réponde, les documents qu'il faut que j'envoie que j'ai jamais le temps de faire. Je peux pas le faire le matin, je peux pas le faire le soir. Le week-end, j'ai envie de faire d'autres trucs, donc c'est ma tâche du jeudi matin.
Qu'est-ce qui est cool avec le jour off? Bah déjà, ça casse un peu la semaine. Alors c'est jeudi, j'aurais préféré le mercredi. Ça casse un peu la semaine, ça casse le rythme. Ça me permet d'aller emmener la demoiselle. Dis bonjour la demoiselle. Ça me permet d'aller emmener la demoiselle à l'école, à l'heure habituelle, et pas de l'emmener à la garderie, et aussi d'aller la chercher à la sortie de l'école, ce qui est plutôt cool. Donc en gros, ça me laisse de 8h30 jusqu'à 16h30 pour faire plein de trucs. Je fais mes trucs de barbu, là-bas, sur ma nouvelle table slash établie, et je fais aussi d'autres trucs, d'autres projets, à droite à gauche. Qu'est-ce qui est pas bien sur le jour off? La première chose qui est pas bien, c'est que c'est 20% de salaire en moins. Et je dois aller voir les saucisses qui sont en train de cramer. Comme je disais, les choses pas bien, 20% de salaire en moins. C'est pas négligeable, un cinquième. Et il faut se le permettre. C'est-à-dire, si j'avais été payé moins, j'aurais pas pu avoir ce jour off. C'est la grosse chose... C'est la grosse chose qui gêne, c'est le pognon, comme d'hab. À part ça, c'est vraiment bien. Je préférerais avoir 2 jours off, voire 3 jours off, mais en étant quand même payé. Donc, ça permet de réaliser plein d'autres projets, voire d'entamer des trucs, ou par exemple, ça m'aide d'aller dans des administrations, ce que j'ai jamais le temps de faire, aller physiquement dans une administration, plus que d'envoyer des mails ou de téléphoner, et de ne pas perdre ou être obligé de prendre une demi-journée de vacances pour aller voir les impôts, le RSI ou les trucs comme ça. Et voilà, demain au programme, justement, du jour off. Qu'est-ce que j'ai de prévu demain au programme? Faut que je finisse, enfin, de monter et de résoudre les 2-3 problèmes que j'ai sur l'imprimante 3D. Et j'ai une roue, je sais même pas comment ça s'appelle, une monoroue gyroscope machin truc que quelqu'un m'a filé à réparer, et je vais essayer de trouver la solution à ce problème là. J'ai aussi plein d'autres projets, mais c'est des secrets, donc je vais pas le dire. Voilà, et aussi aujourd'hui c'était ma mission de la soirée, ranger le bordel dans la cuisine. C'est à peu près tout pour cette fois. Balancez-vous. Donc à la prochaine.